Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure galactique, évidemment sur Star Wars A Jedi Survivor avec l'épisode 15. Comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Il y a encore une nouvelle mise à jour. J'espère que ça a encore un petit peu plus perfectionné, évidemment, la qualité d'affichage, du moins la fluidité, c'est-à-dire le 60 FPS, si possible constant. Bref, je crois que j'ai fait une... bêtise, je devais aller à droite, excusez-moi, je reprends le rail dans le sens opposé. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, une agréable semaine, une agréable journée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais quoi qu'il arrive, que ça a été agréable pour vous. Et on est donc parti, il va falloir sauter ici, jusqu'ici pas trop de soucis. J'ai vraiment envie d'un pouvoir de fou style envoyer son sabre laser, ça serait incroyable. Ok, allez, on va se dépatouiller. Oh putain, je peux pas lui péter à son jetprax. C'est parti. Ok, ok, ok. Oh, ça sent... Ok, ça sent l'arène, tout ça. Ok, 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 les gars. Ok. Ok, ok. Vas-y, viens, bibiche. Viens, bibiche. Allez, ça dégage. C'est bien ce que je pensais. Alors, tu m'observes? Comme au bon vieux temps. Surpris de me voir? Je croyais qu'ils enverraient quelqu'un de plus... de moins familier. Je n'en jugerai pas si vite, Calkestis. Bien des choses ont changé depuis la dernière fois. Oui, je vois ça. Viens, mon speeder est là-bas. Ton Land Speeder? Les Stormtroopers l'ont trouvé. Alors on va s'occuper d'eux. Et on dirait qu'ils nous ont trouvé, nous aussi. Ok. Ok, ok. Allez, allez, tire, tire, tire. Ok. Oh. On va essayer le classique par-dessus. C'est bon, ça passe, aucun souci. Allez, ça dégage. Ok, on a eu chaud. Voilà qui est fait. Cal, le mur. C'est pas fini. À nous deux, on peut l'avoir. Je suis avec toi, Jedi. Vache. Ouais. Allez, système. Ok, ça c'est fait. Et... oh, bien wesh. Très bien. C'était le dernier. Tu as appris de nouveaux tours. Toi aussi, on dirait. Rendez-vous à la base de Céré. Ok, ok, ok. On va quand même aller fouiller là-haut parce que les amis, y a rien. Superbe. Genre, les mecs, ils attendaient... Frère, c'est des robots, ils attendaient comme ça. Ils étaient en mode, allez, dès que ça s'ouvre, on est bon. Ah. Il faut trouver un moyen de te faire monter. Eh ben écoute, je l'ai. J'ai trouvé un câble d'ascension. Tu vois quelque chose auquel je pourrais l'accrocher? Ça te plaît? Ok, ok. Je peux, pour l'instant, plus scanner le mec qui était en jetpack. La galaxie. Qu'est-ce que tu fais sur Jeddah? Jeddah fait partie de la galaxie, Cal. C'est bon à savoir. Je passe voir Céré de temps en temps. Quand j'ai su que le Mantis arrivait... j'ai proposé de vous guider. Il faut aller de l'autre côté. Ah. Ok.
Ça pourrait marcher. Bien. On devrait se dépêcher, Cal. Une tempête approche. Winter is coming. Ok, j'ai juste pris un raccourci, un fucking raccourci. Ok, ok, ok. Ça, on va l'amener vers nous. Wow, 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 ça m'a carrément poussé. Parfait. On est bon là, non? On est bon. Allez, superbe. Ça va rester comme ça bougera pas. Elle, elle triche un peu. Tu triches un peu, cousine. Des Stormtroopers. On devrait les encercler et leur tomber dessus. J'aime bien cette idée. Comment tu parlais de sûr? C'est juste un speeder. Et un moché qui plus est. Il a fait une trotte ici à la ville. J'ai entendu dire que certains pèlerins vivent des grottes pour signaler des ennemis dans la zone. On envoie une autre équipe d'erreur. On est déjà pas bien. Nous devons les abattre avant que d'autres n'arrivent. Comme l'autre fois sur Narshada? Exactement. Je te suis. C'est une première. Moi, c'est lui que je veux. Arrêtez-le. Ok, parfait. Je crois qu'il a eu le dernier rocket trooper. J'en suis pas sûr. J'y vais. Oh là, je suis un monstre. Arrête-le. Allez, dégage. Hey, let's go. Il n'en reste aucun. Allez. Ça va? Ça va, oui. Par contre, mon speeder, même si la tempête se calme, Serré est trop loin pour continuer à pied. Moins que... À quoi tu penses? On pourrait se trouver un transport? Très bien. Suis-moi. Mais ouais, c'est quoi ça? Ils font flipper de fou. C'est quoi ça? Ils sont dégueulasses. On dirait les bugs qu'il y avait dans No Man's Sky. Ah, c'est terrible. Terrible, c'est terrible. Là, tu le vois? Oui. Hop, j'ai été trop vite. J'ai été trop vite. Malheureusement. Putain, il m'a fait flipper. Ok. Toujours aussi habile. BD bon. A l'air d'être à la traîne. C'est juste une blague, droïde. Et on est bon. Allez, qu'est-ce qu'on a pas ici? Que dalle. Ça, ça fait pas plaisir. Ok. Quel dommage. Tiens, BD, d'ailleurs, tu vas me passer un petit remontant, je pense. On n'est pas coincé, j'espère. Arrête de faire toujours peur comme ça, toi, cousine. Oh. Nom d'un site. C'est bloqué. Ça a marché. Ok. Oh, attention! Bon, c'est bloqué. Néanmoins, est-ce qu'on peut juste sauter? Tu essaies de me tuer? Désolé, je pensais que... C'est bon, Cal. Recule. Je vais réparer ça. Qu'est-ce que tu fais? Je restaure ce que tu as plongé dans le chaos. Oh, incroyable. Ça avait l'air fatigant. Tu veux faire une pause? La tempête approche. Les gars, moi je veux bien ce pouvoir. Hein. Arrivé à la base de Serré. Où tu as appris ça? Sur Datomir. Tu es retourné chez toi? Oui. Mes sœurs sont parties, mais leur sagesse reste. Moi je veux bien ce pouvoir, il a l'air incroyable. Hein. Là on a rien. Faut toujours aller fouiller un petit peu à gauche à droite, étant donné que BD peut scanner des petits trucs très sympas. Ils se sont arrêtés à une oasis. On se rapproche. Et ben voilà, superbe ça. Superbe, superbe. On a un petit truc là-haut. Qu'est-ce que c'est ça? Allez, régale-nous. La créature est partie, mais elle va revenir. Nous n'aurions jamais dû faire ce voyage. Que les Jedi nous protègent. C'est embêtant. C'est embêtant. Allez. Les amis, on va save, juste histoire de récupérer tranquillement un stamina, ça pourrait être cool. Même pas de niveau pour l'instant, mais nous sommes qu'au un tiers de l'épisode, donc pas trop de soucis à se faire là-dessus. Je pense que ça va le faire. C'est absurde. Ça n'a rien à faire ici.
Ça se peut pas, exceptionnel. Allez. Ah, heureusement que c'est mérité, ça, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Vas-y. Mérine, tu t'en occupes? Ça. Bien sûr. Parfait. On se retrouve de l'autre côté. Oh, qu'est-ce que c'est? Attends, je veux ça là-bas, moi. Oh non, je suis un connard. Ok, j'ai vu un truc qui était faisable. Il y avait un truc qui était faisable, putain de merde. Attends, faut que j'arrête. Donner un steam BD. Je te remercie, BD. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Par là, peut-être? Moi, je suis venu de là. La base de Serré n'est pas de ce côté. Je veux juste aller voir, vite fait. Je reste ici. Okay. La vache. Ok, waouh, c'était pas évident. Mais c'était très stylé ce que j'ai fait. Ok, c'est très bien, je prends. Allez, un point obtenu. Très, 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 très bien. Tu as trouvé quelque chose? Ouais. Tu devrais essayer de faire des détours plus souvent. J'ai déjà traversé toute la galaxie, tu sais. Comment pourrais-je l'oublier? Ok, 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 ok. Bah écoute, on peut se la mettre si je puis me permettre, hein, cette petite expression des familles. Par contre, dans quoi on peut la mettre? Ça, on va le voir de ce pas. Dans les compétences, évidemment. Force, qu'est-ce qu'on a? Une poussée aux alentours de la zone. Confusion accrue. Augmente le niveau de force maximale. Allez, ça me paraît réellement, réellement pas mal. Allez, niveau de force maximum encore plus utilisé. Donc on va pouvoir se régaler. Si tout va bien. Tu sais, plus tu te reposes, moins vite on arrivera à la base de série. Je ne me repose pas, bibiche. Si on reste pas concentré, on pourrait ne jamais arriver là-bas. Ne t'en fais pas, Cal. Je te protégerai. Yes, je l'ai trouvé. Alors, attends. Il est juste là. Il est juste là. Ok, par contre, un lance-lame dans un couloir, mon reuf, toi tu voulais faire une dingue. Calme-moi ça. Ok. Après, on va améliorer le sabre laser. Oh les salauds. Comment ça? Oh les salauds! On va re-redescendre là. Ok, là c'est bon. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mort. Ok, j'ai un peu Bugs. Comme Bugs Bunny. Attends, il y avait un bail là-bas. Il est où? Oh non, il est juste en dessous. Comment on fait? Je peux pas l'atteindre. Comment on fait? Oh, vous voyez ce que je vois? Attends. Je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais moi je le vois.
pas vrai. Et putain, je voulais aller là où elle était. Ils ont peur de toi. Je sais. Ils me surnomment le fantôme du désert. Le fantôme du désert, hein? Hanter les impériaux est devenu mon passe-temps préféré. Ok, alors je sais pas ce que je fais, mais ça a l'air incroyable tout ça. Là, je découvre un peu des... Ça a dû prendre plusieurs vies pour bâtir tout ça. Non, je sais pas, je découvre des bails ou quoi, là. Ceux qui l'ont construit sont partis. J'ai découvert les restes de nombreuses civilisations pendant mes voyages. Tout a une fin, Calcestis. Pas tout, non. Ton optimisme m'avait manqué. Oh non. C'est rare de j'en ai marre. Cette galaxie. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a là cette fois? Un parchemin? Peut-être que quelqu'un à la base de Céré saura quoi en faire. Très bien. Je suis un petit peu perdu là. J'ai loupé un truc de fou derrière, mais bon, écoutez, on verra plus tard. Ça me frustre un peu. Ok. Très bien ça. Très bien ça aussi. Très bien ça aussi. Bon, on se bat en combat clos là, mon ref. C'est quoi ça? On dirait des Jedi. Céré dit qu'à Jedi autrefois, les gens vénéraient les tiens. C'était peut-être le cas. Des Jedi. Bédé, tu peux venir m'aider? Bah alors attendez, là ça m'arrange pas beaucoup là ce qui vient de se passer. Une seconde, je voudrais modifier un truc. Ça m'arrange pas du tout ce qui vient de se passer. Ceci dit, on a changé de planète. On va aussi changer bon de sabre laser. Et ceci dit... Voilà. On va aussi en profiter pour... Hop, tiens, t'es morte, toi, je t'ai jamais aimé. On va aussi en profiter pour personnaliser Cal. Qu'est-ce qu'on peut mettre qui fait un peu désert? Alors... Oh, stylé, ça. Mais on va lui garder son truc d'origine, quand même. Ah, plus de barbe. Allez, c'est pas mal. Ça fait genre le temps passe. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est pas mal. On va utiliser celui-là. C'est juste la veste. Oh, ok. On va utiliser celui-là. Et en poncho, on va utiliser... Enfin, en bas, pardon, on va utiliser celui-là. Et ben voilà! Un nouveau Cal se présente à nous! Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un Cal. Pastoïde classique. Matériau pour BD1. Je suis venu ici, pourquoi là? Juste pour casser des gueules. Alors attendez, il y a quelque chose encore plus haut, on m'a dit. Tu sais qui c'était? Non, mais Céré peut-être. Bédé, tu trouves pas qu'il ressemble à Cal? Ennemi okay. Droit devant. Tu as toujours aimé l'escalade. J'ai pas perdu la main. Si c'était une blague, j'espère que tu vas tomber. Allez, dégage. Oh, je vais pas pouvoir le scanner, fait chier. Beau combat. Attends, ça va m'emmener où, ça? C'est le raccourci des enfers. Matza, mec. Ah non, ça va. Je m'attendais à tellement plus. La tempête se rapproche. On va s'abriter dans la base okay. De Céré. Elle est dans le désert, cachée de l'Empire. Elle est pas très bien cachée, on la voit d'ici quand même, hein, bibiche, hein.
Ok. Allez, on va passer par ici. J'ai cru que j'étais mort. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu comme dingues ici, mais... Mais où est le scriton? Wesh! On peut l'avoir. Ça dégage le scriton, il est scrité. Je vais. Beau travail. Toi aussi. Ah, ils m'ont tout restauré quoi. Merci ça, ça chalasse. Ok, très bien. Un coup de main. En ai-je envie. Allez. Merci. Serré serait déçu si je te laissais mourir seul dans le désert. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Le spamel. Tu penses vraiment pouvoir en apprivoiser un? Attends, je vais prendre ça. Oh, la tête que ça, c'est horrible. Une oasis. On est sauvés. Maintenant, nous avons la force de franchir le pont. Que les Jedi nous protègent. Tu es fatigué? J'ai besoin d'un instant. Ok. Laissez-moi apprécier. Que c'est les bordel. Je me demande ce que mangent les spamels. Qu'est-ce que tu manges, toi? On y va, Mili. Tu veux de l'aide? Merci. Mais je me débrouille. Pastille. On y va. Oh la vache. Atteignez les spamels. Oh la gueule du truc. Putain, je suis cuit. C'est mignon en fait le visage, mais alors le reste. On passe là-dedans là. Non, on passe pas, frère. C'est de là où on vient, je suis teubé. Et... La base est loin? Plus vraiment, grâce à notre nouvel ami. Et maintenant, on a le temps de discuter? Sans blague. Ça fait des années. T'as dû visiter la galaxie tout entière? Presque. C'était comment? Incroyable. La cité engloutie de Curato, les falaises de Persaia, la galaxie souffre. Mais elle est encore belle. Tu as eu affaire à l'Empire? Bien sûr. On vit à une époque difficile. J'ai aidé ceux que j'ai pu. Je suis content que t'ailles bien. C'est réciproque. Où que j'aille, tu n'étais jamais très loin de mes pensées. Okay. Le chemin du retour. Attends, donc il y avait un bail pour save derrière. Attends. Ça, souvenez-vous, c'est là où on avait fait le pilier, là. Pardon. Ok. Bah, ça arrive qu'à moi. Je suis littéralement passé à travers le sol. Merci, au revoir. Qu'est-ce qu'on a là? Hola, Doudou. Oh non, je peux pas faire demi-tour. Ok, non, bah ça sert à rien, c'est très bizarre, j'ai l'impression qu'on peut pas descendre du bordel. J'ai l'impression qu'on peut pas descendre du merdier, là. À notre convenance, ou sauter, donc... on va tracer, vu que j'ai eu le petit bug. Ok, à gauche, c'est le chemin du retour, et tout droit, c'est là où on doit aller. Let's go. Bon, tu sens que c'est un petit peu dommage, très rigide, hein, le truc. Tu sens que c'est pas fait... Il n'est pas animé du plus bel effet, comme on dit. En même temps, ça a l'air assez balèze quand même. Hein. J'arrive même pas à sa première articulation. J'ai besoin de son aide. On recherche quelque chose lié à l'ordre Jedi. Intéressant. Tu nous en veux toujours d'être parti? Je m'y attendais pas vraiment, Meereen. On parte tous,
dans des directions différentes. Je comprends, Cal. Mais chacun avait ses raisons. Ok. On va où, là, dans ces cas-là ? On continue. Cher Spamel, est-ce que tu peux aller plus vite ? Allez, on accélère ! Ok. On doit se dépêcher. Plus vite. Attends, il fait déjà son max là, le ref. Hein. Ah oui, il y a un tapet, trop bien. Trop bien. Il faut qu'on se dépêche. Le Spamel est effrayé. Il me résiste. Bien joué. Ok. Mérine, tu m'entends? Je la vois pas, BD. Ah, une lumière verte. Tout va bien se passer, les amis. Encore? Par ici. Mérine, on arrive. Tout va bien. Pour le moment. Et maintenant? On doit continuer. Ah, je suppose qu'ils sont... Ils ont pas caché de coffre hein, dans ce type d'endroit, ça me paraît très compliqué. Ok, sacrée tempête. Hein. Ça va? Et toi? Oui. On doit trouver un abri. Où est parti le Spamel? Ça n'a plus d'importance. Ok, on va aller à droite. Bah dis donc. Cal, par ici. Pas une petite tempête ça, hein. Je sais pas ce qu'il a pris. J'ai aucune putain d'idée de ce qu'il a pris, un courant d'air ou... Wow, qu'est-ce que je vois? Ça va bien? Ok. Ok, c'est pas mal, on s'en sort. On sort très bien. Allez. Ok. T'entends ça? Oh, impossible. Le Spamel a dû trouver un abri. Par ici. Ok. Le Spamel ok. Nous a sauvés. On peut lui pardonner de nous avoir abandonnés à une mort certaine. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je suis trop peur. Voilà. C'est pas mal pour cette nuit. Assieds-toi. Raconte-moi quelles aventures BD et toi avez vécu depuis la dernière fois. Bah, comme d'habitude. Combattre l'Empire et tâcher de se rendre utile. Sans rester longtemps au même endroit.
Et... je crois qu'on a fait une grande découverte. Un endroit où l'Empire ne peut pas nous trouver. Mais... ça implique de ne plus se battre. Et... me battre, c'est tout ce que je connais. Cal. Regarde bien le feu. Il te réchauffe. Il te tient compagnie dans la longue solitude de la nuit, n'est-ce pas? Mais laissé sans surveillance, il brûlera tout ce qui se trouve sur son passage. Jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Mais par une nuit froide, comme celle-ci, un bon feu est idéal. Et ça ne fait pas de mal, un peu de compagnie. Tu m'as manqué, Meryn. Toi aussi. Il fallait que je parte, Cal. Pour voir enfin la galaxie de mes propres yeux. Qu'as-tu trouvé? Je me suis trouvée. Je me suis vue dans tous les lieux et les personnes que j'ai découvertes. Datomir sera toujours mon foyer, mais... ça ne doit pas me définir pour autant. J'arrivais pas à comprendre ton départ. Mais... avec du recul... je crois que tu as fait le bon choix. Il en reste un peu. Bonjour. Le temps s'est arrangé. Allons-y. C'est la fin de notre épisode, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. À bientôt tout le monde pour la suite de notre aventure. Bisous, bye bye.